Après les honneurs reçus à l'entrée du site énergétique d'Inga et l'accueil par le président du comité d'administration de la Société nationale d'électricité, grâce à Nkwanga Maswangi Bilolo, vice-gouverneur du Congo central et représentant le chef de l'exécutif provincial, est conduit dans la salle des réunions du poste de dispersion de la centrale d'Inga. Sur place, il reçoit la délégation du parlementaire allemand en visite des travaux réalisés avec l'appui financier du gouvernement allemand. Au terme des explications techniques, la délégation est satisfaite de la bonne utilisation des fonds. Nous sommes très contents. On a vu aussi l'investissement allemand qui est ici à la poste de distribution pour l'électricité. Et on a vu aussi que notre argent va améliorer les productions d'électricité pour le DRC. Et l'énergie est une clé pour l'industrialisation ou aussi pour les postes de travail. Au nom du gouverneur du Congo central, Dr Gibandundu Guidi, les vice-gouverneurs se félicitent également du sérieux de la SNEL dans la gestion de l'appui financier allemand, répondant ainsi à la vision du chef de l'État, celle de faire de l'électricité moteur de développement. Alphonse Kisolokele, PCA de la SNEL, lui, jette des fleurs au gouvernement provincial pour son implication aux actions du développement. Le fait que les autorités viennent nous rencontrer et voir les réalisations que nous faisons sur le terrain nous aide à ce que tout le monde puisse avoir une même compréhension de l'importance que ce site comporte pour le bien-être du Congolais moyen et d'ailleurs dans le cas d'espèce même de l'Africain en général. C'est après la signature du livre d'or marquant son passage sur le site du barrage hydroélectrique d'Inga que le vice-gouverneur de province clôture son bref séjour dans la partie du territoire de Sekebanza.